Bonsoir ou bonjour les amis, tout dépend à quel moment vous allez regarder ma vidéo. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, une quinzaine de jours environ, je dirais. Donc là, j'ai plein de choses à vous faire partager. Et là, je suis vraiment très contente. J'ai découvert un oracle que je trouve magnifique au niveau des illustrations, des couleurs, les couleurs sur les cartes, waouh! Alors, c'est l'oracle de la reconnexion, donc qui est de Ilysia, si je prononce bien. Déjà, rien que la boîte, ça annonce la couleur. Trop joli. Donc on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Se reconnecter à soi pour incarner et manifester entièrement qui nous sommes. Selon plusieurs traditions chamaniques, certains fragments de l'âme humaine peuvent s'égarer quand on vit un événement traumatisant. Ces parties perdues de nous-mêmes sont pourtant malice. J'ai mon cœur qui vient s'incruster, une ressource essentielle à notre équilibre, à notre joie, à notre sécurité intérieure, à notre intégrité psychique et spirituelle. Cet oracle vous propose, comme le ferait un chaman, de partir à la recherche de ces suppléments d'âme qui vous font défaut. Grâce aux cartes vibrantes, au texte canalisé et au mantra, il met à votre disposition tous les outils nécessaires pour vous y reconnecter, et les réintégrer dans votre réalité. Voilà des exemples de cartes. Ilysia est médium depuis son enfance et propose des soins et des guidances depuis plus de 20 ans. C'est après avoir survécu à un grave accident de la route, il y a 9 ans, que son âme de chamane s'est éveillée. Depuis, elle écrit et peint elle-même ses oracles. Alors, ce coffret contient un livre de 224 pages et 33 cartes éclairantes, un sac en satin pour les protéger. Il est aux éditions Vega du groupe Trédaniel. Arrête, Malice, s'il te plaît. Ah, elle vient jamais et quand je fais une vidéo, elle vient. Il est au prix de 26 euros. Oh oui, mon cœur. Et là, elle me fait gentil. Et puis, s'il y a un geste que je fais pas loin d'elle, elle va m'envoyer un coup de patte. Alors, là, c'est dans les tons violets. Alors. Et comme vous pouvez le constater, il y a un pochon en satin bleu nuit. C'est hyper rare. Franchement, j'adore. Donc, on va découvrir le bouquin qui est sur du papier un peu avec des effets aquarelles. Se reconnecter à soi pour incarner et manifester entièrement qui nous sommes. Et les illustrations sont aussi d'Ilysia. Ah, laisse-moi ma petite mimine, s'il te plaît. Alors. On a un avant-propos, un avant la première utilisation et les derniers tirages. Attends, mon cœur, t'es gentil, mais. Et on a les 33 cartes. Alors là, on a le petit mot de l'auteur. Donc en fait, j'en déduis édition, illustration, mise en page. J'en déduis que en fait, elle est auteur et illustratrice. Alors, on a avant la première utilisation, purifier votre oracle, les différents tirages. On a le tirage à une carte. Tenez les cartes dans vos mains, respirez profondément,
Entrez en contact avec son énergie, unissez-vous et laissez la paix s'installer en vous. Battez-les lentement en posant votre question. Vous trouverez des exemples de questions ci-dessous. Étalez les cartes face cachée devant vous, choisissez une carte. La carte tirée va vous montrer la ressource égarée à laquelle vous reconnectez. Lisez le mot sur la carte, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Donc il y a un tas de propositions de questions. Cette étape est importante car elle va permettre d'enclencher une prise de conscience. 90% des guérisons sont d'abord une prise de conscience. Alors voici différentes questions que vous pouvez poser. Donc là, des conseils pour réaliser le processus d'intégration, des mantras, soyez créatifs. Nous avons enfin le tirage à deux cartes. Donc, en fait, ils nous disent de battre les cartes, de les étaler et de choisir la première carte en posant la première question et choisir la deuxième carte en posant la deuxième question. Première carte, quelle est la ressource que je possède sur laquelle je peux m'appuyer dans cette situation? Nommez votre situation et qui va m'aider. Donc la deuxième carte, quelle est la ressource qui me manque dans ma vie dont j'ai besoin pour traverser cette situation? Nommez la situation et qui va m'aider. Vous pouvez faire le processus de reconnexion et le mantra. Nous avons le tirage en trois cartes avec le passé, ce qui avait besoin d'être vécu, ce que je devais expérimenter, comprendre et atteindre, etc. Et en deuxième carte, nous avons le présent. En troisième carte, nous avons, grâce à mon expérience passée et présente, que vais-je pouvoir facilement vibrer dans l'avenir? Soyez patient, tout arrive, tout est possible et tout est parfait. Nous avons un tirage en cinq cartes. La une et la deux symbolisent le moi. C'est la relation, en fait, le tirage de la relation. La 3 et la 4, l'autre. Et la 5, la relation. Et il vous explique tout ça bien en détail. Mais voilà. Alors, nous avons la représentation de la carte en couleur, son numéro, son nom. Donc, nous avons quelques questions. Nous avons un message qui est assez riche. Il y a quand même, de bonnes pages. Et un processus de reconnexion, un mantra, une petite phrase. Et on a ça pour toutes les cartes. Je le trouve super. Franchement, génial. Alors, on n'a peut-être pas aussi, on a facilement deux pages à chaque fois. Il est vraiment très très intéressant. Donc voilà, on va passer aux cartes et vous allez voir, elles sont magnifiques avec notre petite Malice en téléspectatrice. Avec un pochon magnifique. Et là, vous êtes pas prêts. Regardez-moi ça, ces tranches. Bleu nuit. Magnifique. Ça fait un petit peu violet mauve à la caméra. Mais elles sont vraiment bleues. Le dos est comme ceci. Donc, elles accrochent un tout petit peu. Mais bon, ça va, elles sont mates. Et on va voir ensemble les illustrations. Donc on commence. Alors il y a le numéro, le nom et une petite phrase. Donc je vais vous lire à chaque fois le nom. La compassion. La joie. La transformation.
Elles sont vraiment belles. L'unité. L'instinct. La sécurité. Non, attends, mon cœur. La gratitude. Et le dos, en fait, c'est un peu violet, bleu très foncé et bleu moyen, enfin mauve, comme vous voyez, et un peu de toutes les couleurs. Donc, la gratitude, la fierté, l'amusement, l'ancrage, l'optimisme, la foi, la patience, la liberté, l'amour de soi, la puissance, le pardon, le non, l'action, l'humilité, le silence, l'autonomie, le positionnement, l'union, le guide, l'engagement, la construction, l'abondance, la légèreté, la hauteur, le yin et le yang, la bravoure et la communication. Voilà. Eh ben, on va mélanger tout ça et en tirer une. Alors, quel message? Ah, j'ai pris la carte qui ressortait du paquet et nous sommes tombés sur la carte du silence. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. Donc, nous allons voir à quoi ça correspond dans le bouquin. Alors, le silence. Et c'est marrant pour la petite histoire. J'ai écrit à quelqu'un. Donc, en lui posant une question que j'aurais voulu qu'il réponde assez franchement. Et eh ben, c'était le silence, justement. Il ne m'a pas répondu. Donc, oui, ça représente bien ma situation actuelle. Donc, alors, nous allons lire tout ça ensemble. Enfin, je vais vous le lire. La ressource qui t'est proposée d'intégrer est le silence. Oui, en gros, c'est plutôt un conseil pour moi, en fait. Afin de la conscientiser, tu peux poser les questions suivantes. Comment ce mot résonne en moi? Est-ce que je possède cette ressource? Est-elle présente en moi en ce moment? Est-ce qu'elle me manque depuis toujours ou juste depuis quelque temps? En ai-je besoin? Cette ressource me serait-elle utile? Tu peux noter tout ce qui te vient. Prends le temps de regarder cette carte. Laisse son énergie agir. Et donc, du coup, la personne est restée silencieuse et donc je ne l'ai pas relancée. Donc, je suis à mon tour silencieuse. Donc, ça peut être valable pour lui comme pour moi. Donc, nous avons deux bonnes pages et un processus de reconnexion, un mantra. Donc, je vais vous lire tout ça. Je suis le silence. Dans ma quiétude, tu découvriras la clarté et la possibilité de t'entendre réellement. Je ne suis pas l'absence, mais la présence profonde qui te connecte à ton essence. En m'accueillant, tu embrasses la puissance de l'introspection et de la réflexion, te permettant d'explorer tes pensées plus profondément. Au creux de l'absence de mots,
Excusez-moi. Oui, j'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone. Les réponses émergent sans nécessité de parole. C'est dans le temple du silence que tu trouveras l'espace nécessaire pour comprendre, contempler, remercier, te ressourcer, créer et simplement être, car en moi, tu découvriras la force du recul. Je suis le refuge qui t'offre la quiétude permettant à ton esprit de se reposer. Je suis le compagnon qui t'invite à explorer ton monde intérieur, à trouver la paix au milieu du tumulte, apaisant le stress. Je peux devenir le confident qui accueille sans jugement et celui qui t'enseigne la sagesse de l'écoute attentive. En m'accueillant dans ta vie, tu découvriras une source inépuisable de force, de créativité et de connexion profonde avec toi-même et avec les autres. Je te donne la main pour t'emmener au plus près de ton cœur, là où les pensées se dissipent et les émotions se dévoilent. Si je disparaissais de ta vie, l'espace où se tisse la sérénité serait envahi par le tumulte incessant du monde. Ton esprit, privé de mes moments apaisants, serait submergé par le bruit incessant, laissant peu de place à la clarté mentale, la cacophonie constante engendrant un stress omniprésent, perturbant tes pensées et sapant ta tranquillité intérieure. La créativité, jadis nourrie pour mes instants de quiétude, pourrait s'estomper dans le tumulte incessant. Les relations pourraient perdre en profondeur, car le silence est souvent le cadre qui permet une communication authentique et une véritable écoute. Eh, c'est intéressant ça. Et souvent le... Sans moi, la connexion avec tes propres pensées et émotions pourrait devenir très ténue. Devenir plus ténue, pardon. Risquant d'altérer la compréhension de toi-même. Cependant, même si je venais à disparaître, rappelle-toi que des instants de calme peuvent toujours être créés. Dans le tourbillon du quotidien, recherche consciemment ces moments de silence, car c'est là que tu trouveras la clarté, la paix et la possibilité de te connecter à ton essence la plus profonde. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est que tu as besoin de retrouver le calme intérieur, de te relier à ton essence, de rencontrer la paix, la clarté que propose le silence. Aujourd'hui, je viens à toi pour t'offrir ma puissance. As-tu besoin de moi? Si oui, tu peux réaliser ce processus de reconnexion pour recevoir mon énergie en toi. Processus de reconnexion. Crée un espace de sécurité intérieure et lis ce texte trois fois, doucement et en conscience. Laisse intégrer, s'effectuer en conscience. Dans le silence, je trouve la force, la clarté et la paix. Je suis ancrée dans le calme, connectée à ma véritable essence. Dans le calme de mon temple intérieur, je découvre ma force intérieure. Chaque moment de tranquillité est une bénédiction pour mon esprit, une source d'harmonie pour mon être. Je choisis d'accueillir le silence avec gratitude, car en son sein, je cultive la sérénité et l'équilibre dans ma vie. Mantra à répéter régulièrement quand tu en ressens le besoin pendant le temps nécessaire. Pour une intégration complète. Donc, dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. Et ça, à répéter régulièrement. Eh ben, dis donc, moi, je le trouve super riche et intéressant ce jeu. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Vous m'avez vraiment manqué. Je suis très heureuse de revenir après ce petit break. Et j'ai plein plein de choses à vous faire découvrir. J'ai vraiment trop trop hâte.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit like pour me le faire savoir. Un commentaire aussi, pourquoi pas, pour savoir ce que vous pensez, des points forts, des points plus faibles, votre ressenti sur ce jeu, ces cartes, les messages qu'il propose. Et aussi, si vous voulez vous abonner pour regarder plus de vidéos. Donc j'ai vraiment hâte. Écoutez, je vais quand même vous montrer certains jeux que je vais vous présenter dans les jours à venir. Donc il y a celui-là, donc qui est l'oracle des portails. J'ai vraiment hâte. Il y a celui-là, qui est l'oracle du grand esprit du lion. Alors, il y a celui-là que j'aime beaucoup, 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 qui est l'oracle de Poésigil. Et enfin, il y a celui-là, qui est l'oracle magique des Sabbats. Et là, c'est super intéressant. Donc, voilà. Donc, voilà. Et ben tout un tas de belles choses, vraiment, à vous montrer. Et j'ai aussi un magnifique livre que j'ai pas sous la main. Que je pourrais vous montrer, qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Donc voilà, j'étais très ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de cette chère Malice, n'est-ce pas ma petite Mimine? Parce que elle me fait pas de câlins des fois, puis quand c'est pour les présentations, elle vient systématiquement. Je sais pas ce que ça l'effet que ça lui fait, hein mon bébé? Ah, par contre, voyez-vous, elle peut être gentille, mais elle peut envoyer des coups de patte si madame a décidé que c'était pas l'heure des câlins. Donc voilà, je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très vite, enfin normalement à demain. Bisous bisous!